Nani lingi mninga na ye congolais ke congolais alingi ndeko na ye congolais na banza yete ezali ba situation o to komona na kati ya République démocratique du Congo oyo eko etonné et même opinion publique lelo oyo na kati ya République démocratique du Congo kota la yete bato ba ye pona kosolola makambo etali intérêt ya mboka mais ba position ezo changer eko changer pourquoi o ndenge to lobaka yete bapesi bango mbongo bakabola na mbongo wana ekaboli ne bango est-ce que mboka na biso République démocratique du Congo tokomona nyonso na mboka oyo situation ya est République démocratique du Congo eko interpelle ba congolais belé lelo bandeko ba kozanga kimia bandeko ba kozanga ata moyen ya kozwa moyen ya kolia pomme na kimia pomme de terre bango ba mesana kolia pomme de terre maziwa nyoso oyo bango ba mesana kolia ba kozanga yango likolo ya kozanga kimia mais basengi na bino bandeko ba congolais bino bozali bobengami ba expert ba notable boye bosolola moto na moto abendi etofe na ndenge na ye mbongo ekabwani to mbongo ekabwani te intérêt ya mboka etiami wapi corruption ekoti to ekoti te table ronde sur l'évaluation état des sièges na banza yete misu ya lelo biso tokobimisa ba vérité bomba bomba mabe nalakaki bino yete tokobimisa ba vérité lelo tokobimisa ba vérité tokotala situation koleka na kati ya République démocratique du Congo lelo oyo exilé politique na kati ya République démocratique du Congo basusu balobi bon ye mutu aprononsaki élection na 2018 a comme exilé politique nenge nini mais la question est allée belé sima gouvernement a lobby été armée na biso allée infiltrée Corneille nanga lobby armée na biso allée infiltrée mais Corneille nanga comme exilé makambo eza nenge nini nani akoloba busulu na banza été lelo nenge tulobaki c'est la vérité rien que la vérité parce que banani ba kotumba zamba likola osala kire da moko mona mboka jano manyanga mbote nayo mbote ndeko Olivier mbote na balandi banso ya émission nayo merci également pour l'occasion pesinga na après-midi à lilo ça fait bien les rêves to mona na to mona ni mwaka na kala depuis que na leka na émission nayo na pesa mbote na ba kontina biso ya front commun pour le Congo FCC en cycle là je suis en train de voir son excellence Raymond Tshibanda dehors de Raymond Tshibanda oui que FCC famille politique na biso eza na autorité morale na bango o aza kimia pepele na bisika oyo afandi na zo pesa mbote na mwana mboka Joseph Kabila Kabange l'autorité morale de référence pour la République démocratique du Congo na zo pesa mbote pour chiter na secrétaire général ya Lingomba na biso MCR mouvement social pour les renouveaux MCR en sigle là je suis en train de voir le secrétaire général Raphaël Loulo ensemble na ba militant na ba militante na biso ya front ya MCR bisika nyonso bazali oyebi ke Lingomba na biso MCR ezalaka très bien implanté na ba territoire nyonso ya Engomba Congo toza na Lubumbashi na Okatanga toza na Lualaba toza na Kinshasa toza na Congo central toza na Kwilu toza na Kwango toza na Nord Kivu toza na Sud Kivu toza na Ituri toza na je pense tozana Chopo, tozana Otuwele, tozana Bajuwele. Nous sommes suffisamment implantés. Ngai oyo nazo lelo na chaîne na yo ya Congo Life. Nasa président ya Ligue nationale des jeunes ya mouvement social pour le renouveau parti na kende kabisika banso oyo ba militant na biso bazali pour na ko implanter partout. Je voulais juste confirmer ici et saluer
nos membres et nos militants place baola na biso. Saluer les membres militants et MSR, mais Bazali déçu na au monde a été course électorale au Yoboye, beaucoup participé te boutique et au sali politique et à chaise vide. Ma partisan na bino ba kindene. Bazali déçu te de quoi Olivier. Ah, wana te Bazali déçu te wana na za d'accord na ngote. Na ko privé population devoir civique. Bazali déçu te laisse-moi arriver. Parce que Baza très discipliné. Ce que moni bato oya lo lengi wana bandimi ko décliner na ba offre politique na bango parce que ngapi na za candidat député non na décliner parce que la loyauté eza civisme pour na terre politique. Ce qui au moni à terre politique azoko ka ko obéir ko respecter te na mot d'ordre ya famille politique ou ya plateforme politique à politique te. Pour nous, les politiques avérées, nous devons intérioriser ce respect-là. Il y a un mot d'ordre dans la partie politique. Bazar de cité, je suis en train de les encourager. Le meilleur est à venir. Lorsque nous avons constaté que l'élection a mal amouté, nous avons dit que na merci, il y a un mercantiliste qui a organisé l'élection et l'élection triquetée. Comme nous avons obéi à un mot d'ordre, nous avons tempéré un mot d'ordre. Il y a parti pays à famille politique nabiso FCC au quoi ils s'abandonnent et que nos bazars baratété nous qui sommes restés au FCC nous faisons allégeance à l'autorité morale nabiso qui est Joseph Kabila Kabangi nabiso bilengue nabiso bayo mona kasima sima Joseph Kabila Kabangi nabiso bayo mona kasima maman Olive Lembe na zo pesa pemote premier là où il y a un homme. Derrière un homme se cache une grande dame. Ce que moni complicité. Maman Olive, oh azope Sarah Batoura Batomson. Complicité, il y a maman, na y a papa. Vous sentez que il y a le pouvoir tranquille. Je suis en train de saluer maman Waro. N'est-ce pas? Kolobate que non copé sa Thompson, il est dans ses habitudes. Copé sa Thompson, lobi bozungi susu apesi mino Thompson, lobi kuna ke apesi liputa, bozungi susu apesi liputa. Na fongoli parenthèse wana. Oyebi ke na kisasa o, mutu apesa asunga ka moninga na eka ka soki azana pouvoir, tozomona ba candidat député. Oyo nyoso balalaka pendant 5 ans basili kolamuka pona opesa population liputa polo po baebi ke lobi akosenga na population voix mais depuis mama waro depuis azana pouvoir tilelo abanda kopesa ka bato Thompson na alongwe pouvoir pendant 5 ans azo continue kopesa population pour ne mais azo continue kopesa ako continue kopesa makambo oyo population ako bénéficier na ngote c'est pour dire quoi parce que soyo pesi moto Thompson lelo lokya ko ayo kanzala ko yali soupa na pesi o pesi sou Thompson donc c'est comme et comme un cycle au lait ako investir sur les personnes pour que vous permettre parmi les personnes effectivement est-ce que ezali blocage te okangi au kangi bato azalaka na politique wana ya apprends moi à pêcher au lieu pesa nga Thompson apprends moi à pêcher biso to ko mona ko pesa li pouta ko pesa Thompson le lobby même action à ça la même ko ça la toujours sokyo leki na fondation initiative plus au ko mona d'abord n'est-ce pas bazo former ba kongomani mona ba basi na ba couper couture au mona ba mibali bilenge bazana ba métier technique na cadre social tout ça na ba polyclinique où ils ont installé partout n'est-ce pas na Congo et à l'intérieur pour sauver les vies des Congolais c'est pour dire que celui-là au moins il a les soucis de peuple congolais les soucis à peuple congolais ba regretta ba déclarer kango te na maloba souci à peuple congolais to viva kayango na lolenge ya mutu azo exprimer yango na oyeuta kana si amotema na ye on ne force pas mama waro ne force pas
n'est-ce pas? Il ne force pas sa nature. Vivre en proximité avec sa population, c'est sa vie, c'est naturel. Il est tel qu'elle était pendant le pouvoir, elle est la même et après le pouvoir. Donc, il n'y a pas de discussion là-dedans. Mais, c'est mais, comme mais, ça que nous évaluons les personnes. Même si à Kanga bat en otage, à chaque fois, ce qui est allé, c'est la même chose à Salah. À quoi investir dans l'autre côté? Dans la place à Kanga, Moutoumoro, on a un otage. Mais à quoi investir dans l'autre? Ma investissement est aibele. Je ne sais pas ce qui est au Landaka. Bon, toi, qui est simple, à quoi préparer à venir? Il y a tu sais que dans la culture des peuples congolais, ce sont, n'est-ce pas, la population qui vient vers les autorités. Mais avec elle, il y a la différence. C'est elle qui va vers la population. C'est cette politique de proximité envers la population. Elle est restée égale pendant le pouvoir et après le pouvoir. À Kendaka, vers la population. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de faire. Mais tout le temps, quand même, ceux qui ont total investir les lots sur la population, ils allaient Maman Denise Nyakero. Excellentiel, les lots. Plus de 1000 jeunes au Bazali, la France, le Maroc. À quoi investir sur les élites. C'est louable. C'est louable ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils allaient action pour que les Congolais aient une opportunité pour que les Congolais aient autonome. C'est ce que je suis en train de dire. C'est louable parce que le bénéficiaire, il y a la bourse excellence, ce sont nos petits frères, ce sont nos jeunes frères, dans la bourse. Mais ce n'est pas égalable. Il y a une initiative plus et tout ça. Vous comprenez? C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas égalable. Vous comprenez? J'ai cité ici les hôpitaux, j'ai cité ici les infrastructures. Oyo Ezo Tongama, Naba province, Bisikanyos, j'ai cité ici les actions Oyo Yaba agroalimentaire, Oyo Initiative Plus Ezanango. La population a besoin d'être éduquée, la population a besoin d'être soignée, la population a besoin d'être nourrie, la population a besoin d'être scolarisée. Donc, si ce qui totalement aux actions de Denise Nyakero que nous saluons, mais qui n'est pas égalable à la fondation Initiative Plus. Nous fermons cette parenthèse. Oh, mais qui n'est pas égalable parce que pour West Mingue, que ça les m'a pas Maman Denise Nyakero, les lots, parce que tout comme on a. Il y a un autre Koloba, oh, yo, ça m'a pas dit ça. Tu es l'homme de terrain, aux journalistes, il y a un terrain. C'est bien coupé ça, il y a coupé ça la terrain, sur terrain. Mais pour constater que toute la population Asmith, il y a République démocratique du Congo, sont derrière l'initiative Plus. Avant, ça a été congolais, il y a eu une situation parce que nous sommes dans le terrain à chaque fois. Tu es ramené au tambour dans le terrain. Je suis en train de saluer, là, je suis en train de voir. Maman Denise Nyakero est ensemble avec son équipe. Au moins, ceux qui m'ont réussir, Namonaka, Ngumba ya Baye, Baza Pembeni Naye. Baye Baza Pembeni Naye, Baza Ebele, ceux qui sont dans l'ombre, sont en train de faire un très bon travail vis-à-vis de la population. Merci beaucoup, Loko Sala, ma prouesse, Koleka, ya Maman Olive. C'est une réalité, c'est terrain. Les réalisations faites par la fondation Initiative Plus n'est pas inégalable à d'autres fondations dans la République démocratique du Congo. Et ça égalable été. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Dente, oui, ou ça là-bas, pourquoi est-ce, non? Quoi ça? Fondation de Mise Nyakero. Ah, Oyebi, que ceux qui ont lingi tolobelaka fondation Denise Nyakero la fondation que je ne refuse pas bato o va bénéficier na bourse il y a fondation Denise Nyakero donc initiative plus yo kana auto ezana 17
17 candidats on a eu baoté na ba province na deux provinces Lualaba si je me trompe pas na province moko 17 personnes on a eu ba action ya makasi na fondation Denise Nakero ezande ko moko boye ba pesa ka fond na zando pona otega mapapa eza eloko ya malamu o ba kongolais ba ko retenir na action ya fondation Denise Nakero oui ça les initiative plus hein pour ajouter et ça les mangatel pour ajouter na eba c'est que dente bravo na dente na naibi garçon moko naibi garçon moko azoka financement pour na nini projet na ya nini ya bapulae mais garçon na salaka production ya 30 plateaux ya maki nde oyo nga na yemi na fondation Denise Nakero yango so na iso yo za mo pandisa na kobenga ngone ngini na yo za mo pandisa o tolobaka ke ozomona ke bolamu ezali ko sala mais ozali ko tchola bolamu na comprendre na ngai yango na lobi ke nga na clore ezali ba na ngai tende ko na ngai na clore ezali sombite moto azui fond Moutoazui fond a bénéficié na fond ya côté ka ma papa nani to négligé en côté garçon na to féliciter ma casse parce qu'il a été financé ça financement non azaki na zando bon monaki yango et l'autre là na cadre ya financement na cadre ya financement c'est que action il a produit volonté à maman Denise et ko sala moté ma passe et soyo il a produit et ko soyo il a produit 30 plateaux ya maki et namoni ke et ko sala passe et l'autre est allé plus simple mon amour kajano madianga bété la maman Denise nyakeo des financement à makasi bété la maman Denise nyakeo des financement à makasi on a la fondation Denise Nakero que je suis en train de saluer en passant la action là action ou initiative plus c'est sali ou est visible sur terre action ou est liboso to ça na police to ça na hôpital moko wa munene et ça na boulevard to na police hôpital ou est na kombo est ali na kombo ya nani ya Olive Lembe Maman Denise, merci Mingi. Parce qu'à ce moment-là, il y a un peu investir publiquement, privé. La bourse, excellence, il y a bénéficier de la bourse. Ce sont des Congolais, des jeunes. Ce sont des jeunes, ce sont des Congolais. Et il faut que vous payiez, merci, parce que mon avons travaillé sur la gratuité enseignement. Il y a travaillé sur l'excellence enseignement. Nous devons mettre. Maman Denise. Ndeko Olivier. Ndeko Olivier, n'a eu ce qu'on s'en m'a toute comparaison moi, n'est pas raison. Moi, dans mon cas, avant, j'ai été tout cocotte à Nakatia, parce que tout le monde m'a parce que les Sénégalais ont informé les Congolais, ils ont parfait information. Les lots où ils sont, ceux qui ont été en train avant, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Moi, on dit, il y a un bon honoraire, Joseph Kabila. Joseph Kabila, là, ta chemise, il y a une autre chose à détail. Il y a bleu ciel. A Sangisa Bakasik, na Enios. Malembe. Nazoya. Olubi na ngayi ke, ezali grave. Bon, moi, nazo expliquer au gravité à Makambo.
alobi non vous à la résistance face à la situation chaotique dans le mboka ba congolais nazobima pour que na étaler situation politique ya mboka jusque là moko le mboka va na kimia ah ndé mayobé ndé mayobé o ndé kabila dawa ndé oyo yo taxé lu fisiko ya lali mon combien a kolobaté non il faut ou soit ya trel nga na kimia na ega na non mais parce que batu basu pa bela ba badonga na ega lo ba na ete té toza na télévision oh mais qu'est-ce que koloba vérité to ko ba solo wat oza na télévision il faut te placer mot na place et au singuli est-ce que ko sa ba kongolé to ko sa ba introduire je suis sidéré na misitu pona yo oyé sanga ki te ngana koloba yango parce que ngai pe na kozwa place ya peuple congolais parce que ngai na zalaka awa na panzaka sango pona peuple congolais soki na ye awa côté que la ngama loba te te na ko tuna question jusque là est-ce que Joseph Kabila a lobi déjà na peuple to lobi na nte mutuna na ngiza moko mutuna na ngiza zalaki ezalaki important peuple congolais comme chef de la famille politique, Joseph Kabila sait comment communiquer avec le membre de sa famille politique. Pour répondre à la question, à chaque décision, à réunir les membres de la partie politique, et les communicateurs, à Benissi Bango, à communiquer qui au yo akoka qui communiquer. Na maya communiquer qui à l'obaki kaka mot simple. Tout ça, la résistance, la violation de la Constitution. C'est un homme qui respecte les lois de la République. La violation de la Constitution. Vous évitez que la Constitution est violée à répétition par les régimes. Sur mesure, il y a Joseph Kabila. Les gens qui ont la veste, ils ont sur mesure. L'homme a condi, Constitution, ils ont publié et voté par les Congolais parce que c'est un référendum. C'est-à-dire les peuples congolais, ils ont voté la Constitution. Vous comprenez? Ce sont des dispositions constitutionnelles. Donc il y a un référendum. D'abord dossier OIT pour pas se oligner qu'on saute dossier OIT. Joseph Kabila, si à lobby la population, ton an à lobby la population. Joseph Kabila. Ceux qui a lobby, t'es qui promesse à ça, qui donc à respecter Maloubana. C'est une promesse. C'est là que ça. Depuis le régime Oyo, ils ont le pouvoir. Congolais, Senga Bisika Nyoso Bazalike, Joseph Kabila, Alobakate. Nama Nyoso Baolegana Est, Yolegana Est, Alobakate. Lorsqu'il a pris juste une décision kaka simple, à réunir kaka famille. Dans les jours à venir, na koloba. Mais il faut moi dire agitation est bandi na camp politique Y. Alinga lobanini. Et ce galobi, toko kangaye, il fallait. Na tout na kaba peuple, na tout na kaba congolais, ba congomani. Bisso, toko kakanini. Afin d'aller à l'obi à Zolobate. À l'obi à Koloba, yokai ba esprit, n'enge telemaki, osoka l'obi, toko kangae. Mais na yebike, n'enge pe na ito yebi mon kontina biso, soka l'obi à Koloba, à Koloba. Parce que à l'obake, à l'obaka, na temps, na jour, na heure, oyo maloba, oyo ako, maloba, oyo akobimisa, eleki silence na valer, na Koloba. Nous soyons calmes. On sait que notre autorité morale a koloba. Tant qu'il y a koloba, a kopé sa paix, solution, na ma immense autozo vivre dans le Congo. Oh, a pesa qui était pendant 15 ans ou 18 ans. A pesa solution est belé. Solution. Oui, que l'élo, toi, na bonaganate, toi, na iturité. Toi, n'a pas si et toi, n'a pas monté. Vous comprenez? Vous comprenez que R.I. a Zalaki, pour tout le monde, tout le monde, ça, débat moko kangourou, tout ça, moko kangourou. Tout remet à ma solo, c'est clair. Tout remet à ma solo, c'est vrai. Population congolaise, a témoin. A une histoire, il y a un mot qui a été. Il y a un mot qui a été.
Joseph Kabila Kabange. Son expression, il y a volonté, il y a maïe, il y a ça là, il y a exprimé dans trois mots, dans l'alternance politique. Tant que ça a l'alternance politique, il y a une des côtés, c'est qu'il a un symbole, il y a une constitution. Symbole yami balé apé sa kaye drapeau ya république. Symbole yami sato o Joseph Kabila alobaka alobi natike liyo l'état tout entier avec les 145 territoires. Lelo nous devons faire, aujourd'hui nous devons faire l'introspection. Est-ce que nous avons 145 territoires? Est-ce que aujourd'hui nous avons respecté sa constitution? Symbole o ya drapeau na constitution apé sa. Est-ce que respecté nous avons o l'expression de tout ce qui est lié à ça là pendant 18 ans? Il a répété dans trois mots. Dans l'alternance politique. Il faut faire attention avec Joseph Kabila. C'est un homme qui a la passion pour céder pour l'État congolais. C'est quelqu'un qui a la passion pour l'État congolais. Combien de Makilaba congolais sont pas dans le régime de Joseph Kabila? Je n'ai évité ceux qui ont un combo de Makilaba qui sont pas dans le régime. Je n'ai évité peut-être qu'ils ont un combo de Makilaba qui sont congolais. Bon, c'est pour Joseph Kabila. Fidel Bazana. Oui. Incité encore Mama Dundala. Mama Dundala, oui. Thérèse Kapangala. Oui. Est-ce qu'on a quoi répondre? On a quoi répondre? Ok. Mama Dundala, c'est militaire. Militaire, il y a un peu sous les drapeaux. Qui a un peu de massacre. Donc, Mama Dundala, il y a un massacre parce que c'est le cas où il militaire. Vous comprenez? Il y a Thérèse Kapangala. Orobi ni ba militant ou ba kufa qui na ba marche. Ceux qui n'ont emprunté qu'à la logique na yo. Parce que dans mon place, Joseph Kabila Kita, à qui est ma Mamadou Ndala, dans mon place, à qui est ma Thérèse Kapangala. Mais je ne prends pas la logique. C'est-à-dire, Chéribé Okende, c'est-à-dire, président de Mtabomi. Tu raisonnes dans la vie. Tu le papé, général Nani, général Oya, il y a un demi à Pouana. Donc, président de Mtabomi. Tout raisonner comme la logique na raisonnement na yo, c'est-à-dire baïba raisonnement nga été non non na baïba so ko ba réalité ndenge yo tabola na baïba so ba kofi na régime oyo donc ndeko tsaké dit tabomi ba na prenté comme la logique na yo zangati esa logique na yo tantôt kotala non non on limite était toi tu es d'accord non tantôt kotala na non non kotala tu es d'accord tantôt kotala na carte non non ouais d'accord donc on limite bana mboka bana question ezali ezali motuna ezali ya Olivier vient d'affirmer c'est le président qui a dit qui a neko Olivier Missi vient d'affirmer que Missi maloba mokote o ekwate le général ezali écran donc ezali écran. Ah, tant que général Kaïm, c'est-à-dire président de Mtabouma qui est. N'a vu que logique n'a eu. Vous comprenez? Mais les gens qui ont été en train de se faire dans la République démocratique du Congo, Mboka Oyo, Etike Labiso Bakoko, Mboka Oyo, Nenge Tokoloba, Nani Romi qui s'en Mboka Oyo, 18 ans après. Promesse où vous pensez qui vous l'oubliez tout au coup le peuple congolais mais jusque là vous l'oubliez non le voté. Deuxième chose vous qui m'a ponami les louges situation n'est pas tambola ndekonanga to viva kana lolaté ngana yo to viva na Congo to vive nzamba sala pe bola mu mingi to zo vivre na capitale. La capitale où ils siègent à ma institution, Nganayo, la Katia Ngumba Kinshasa, et il était noir sur blanc. Que ma ponami, ou tous ceux qui n'ont pas ma ponami, ma bé, ils ont pas dit, encore, ils ont dit que ma ponami, 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 ma pour ne pas ni na village na Mais par contre, pour ces élections ici, na Kasumbalesa, ba kangaki autorité moko na ba
na banini ba carte d'électeur na carte ya mutuka nao na kwilo awa na nzela chikapa oyibike mutuka moko ebalukaka ya un particulier bakuti ba carte d'électeur ba carte d'électeur na carte ya mutuka wana, c'est-à-dire que na maponami oyo biso FCC toboyi kokende e ama ponami malamu te. Imaginez-vous tozo kende maponami na machine oyo ndeko Anthony Chilombo asombaki imprimer les biso bakata mabe bilonya mabe na yebite na bakite électoraux na ndenge senazo kene na biso parce jusque là na to yebite bakite électoraux soki za wapi yebite place bakite électoraux za to yebite to voter na nini au moins na 2018 to yebaki ke to kene élection na machine à voter mais na élection oyo na mois d'août na batu ba poser ba candidature ba yebite so to kende na machine nini. Je pense comme ba machine il y a ma machine à roulement ndeko Anthony Chilombo nemto a nini a sombaki prévenir collection. Je pense que té la qui s'abisso to tourna prévenir ni collection que Anthony okolobezali mon chef de l'état. Oui au monaki na ba photo o tambolaki nini le kaki na ba réseau nyoso ndeko kadi manasima ya Anthony Chilombo kola mwana mke azolandaka e amona endenge bazo sala ba surveillance ba machine et le kaki na ba bitando mke le kaki na ba réseau sociaux. Et ça, il y a qui au vu et aussi de tout le monde. Je pense que pour ces élections ici, les kits électoraux, n'a évité ceux qui ont moins nini, n'aiment pas de tomber là, à que au somme, les kits électoraux autant qu'il y a une élection. C'est-à-dire, les élections organisées par famille X, la famille Y, et ça, bon, l'État, Congo, ils ont mon tout. Congo, ils ont mis sur le monde. Les locaux reconnaître, ils ont bon, l'État. Tango impressionné par passeport, ils allaient qui n'a beaucoup ya Zoué Kabila. Merci beaucoup. Pour parce que Bino Bozaki n'a transé tant ya opposition, n'est-ce pas? Boloba qui est impression ya ba passeport, ezaki a Zoué Kabila. Tango bozui pouvoir, natika lo mona communiqué moko et bimisi société Zoué Kabila, et bande ko imprimer ba elle et bande ko imprimer ba passeport. Mais ce qui est malheureux, c'est quoi? Tout est logique. Ceux qui ont besoin d'imprimer un passeport, lobby d'affaires étrangères, et c'est là que ceux qui ont lobby aux yeux passeport. C'est logique. Mais dans le temps où ils sont dans ma boîte congolais, passeport est comme ça, là, 3 mois. Quand ils commandent un passeport, ils ont dit que là, ils ont un passeport. Ba Congolais bazo voyager te bande ko ba souffrir hein ko na bande ko ba il fallait ba kendo tanga na poto à l'intérieur à l'extérieur ba ko kende na faire étrangère de Bolivie osa mo pandisango machine etikali kaka moko pri donc impression passeport et comment ça là 3 mois a soni mingi pona komona engumba Congo na taina ngo na ba 66 missions diplomatiques à l'extérieur. Tous ça quand la machine moko pour na imprimer passeport et kofan et comme fan. Donc ba Congolais bazo baza na mikili ya poto zone Amérique, zone Europe, zone Asie, zone Afrique, ba na souffrance pour na imprimer passeport pour na kozwa passeport. Et za réalité nous vivons donc, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai toujours dit dans mes propos. Tu sais que la forme structurelle d'un état autotanga la science politique na droit constitutionnel n'existe plus. L'État existe que des noms. Vous comprenez? Et ça passe mingi. Donc l'État doit exister dans sa forme structurelle na maibatali subdivision de travail. Oyo sali musala non na niveau au songolo, au pesi oyo sali pe na musala na na niveau X ainsi de suite. C'est comme ça que l'État fonctionne. L'État congolais est bloqué à tous les niveaux, c'est une réalité. Na pesio kaka exemple, il y a impression, il y a passeport. Lobby pour présenter qui biso impression, il y a permis. Où en est-il avec le permis de conduire jusqu'à aujourd'hui? Toi la permis. Toi utiliser ka permis expiré tilelo. Tout na batu nyonso batambola ka oba ba na permis expiré. Donc tozo l'État a officialisé un document expiré. Tout ça, l'État est sous-souté. La forme structurelle de l'État n'existe plus. Il ne faut même pas encourager Ndekolo. Il ne faut même pas encourager ça, Ndekolivier. L'État n'existe plus. Nous devons faire l'effort, n'est-ce pas, de relever l'État congolais. L'État n'existe plus. Et ça, Sony Mingi. Et ma déclaration, et ça partout. Veuillez parler avec nos frères congolais ou bazo travailler dans l'ambassade.
à l'étranger. Nous avons 66 millions diplomatiques, 66 millions et 66 missions diplomatiques, plus des postes consulaires et ça la rabaisse 68. Ils sont en train de souffrir aujourd'hui, ba congolais au bazakuna, pour na kozwa titre de séjour et comme passi, a passi mingi. Je pense ba tu balanda mission na yo na poto. Ils vont même pas me contredire. Je sais qu'ils vont t'appeler pour un dossier. C'est une réalité. Ils sont en souffrance terrible, monsieur Olivier. Na banza ite tota la situation oyo to enosaki na ibandeli ya émission na biso parce que to loba ki ete lelo oyo to ko misande ba vérité to ko loba go solo bomba bomba mabe mais pour to ko sala yango pour na intérêt ya population congolaise mobimba tout pour na intérêt ya nation na pays na biso monene oyo ezali République démocratique du Congo parce que vous allez na yango kaka se moko oyo to koloba ete to ko gérer sur yango sur mboka na biso et développer ke de liboso congolais nyoso ko travailler pour na mboka na ye congolais nyoso ko linga mon bonheur pe bolamu ya mboka na ye kasi ba oyo ba ko linga malheur ya mboka et République démocratique du Congo le loto ko bimisa bango parce que trop c'est trop mon mboka. Table ronde sur l'évaluation et état des sièges. Et quoi interpeller au nom? Ah, de quoi, Olivier? Et ça n'a pas si mingi. Na romona aventure moko ya 3 jours. Ah, aventure ya 3 oui, jours. Oui, aventure moko ya 3 jours. Bah, tu balati ba cravate, ba veste, ba vani na palais du peuple, ça aventure. Aventure moko ya 3 jours avec un budget. Ce que j'aurais appris, qui est aventure wana ezaki na budget ya 3 ya 2 millions de dollars. Elle annonce qui table ronde pour la lever il y a état de siège déco tout en y a quand même moi qui là c'était tout yebi maïmazo maïmazo les cas na mboka na biso il faut tout yo qui la capé population d'abord il y a est mawa parce que batou baizo senga lever il y a état de siège et ça batou oh yo bajiva kana est. Mais je suis en train d'abord, avant d'introduire, de rappeler conscience il y a président de la République, il y a membre du gouvernement. Vous voyez, pour la Kobengi, ça a fallu, faire le gouvernement congolais, bah, soit qui pointe, bah, ça là qui pointe de presse, hein, bah, le but est que les populations, pour que faire à Kende Kobeta, le 9e sommet à francophonie, bah, il y a qui population. Mais pour la lever il y a état de siège, ma vie est comme partagée, ma vie est la population. Gouvernement, on croit que la population est. De la même manière. Yo m'ont dit au bas que gouvernement, que la population, on a bien différé. Si le gouvernement, que la population est négligente. Je viens de dire ici. Ah mais qu'est-ce que pour lever état de siège, ma avis est partagé entre les membres du gouvernement. Et ça n'a pas oublié que la population est, et ça n'a pas oublié que la population. Bref, dans l'ensemble, les gouvernements, ils ont que la population est. J'introduis. Vous savez que l'état de siège, qui était vraiment un acte légal du point de vue constitutionnel, tout le monde a dit état de siège. Le président de la République a soit qu'à décision en haut, une ordonnance, pour déclarer état de siège. Pour le président de la République, a acte en ordonnance, j'espère que il avait à réunir l'Assemblée et le Sénat comme c'est le parlement né à jouer action pour la lever encore état de siège. Il fallait arrêter la même méthode où il y a ça qui il a déclaré état de siège. Il devrait réunir encore. Quand on a ça qui dit de manière discrétionnaire, n'est-ce pas, dans le pouvoir discrétionnaire des deux chambres, va décréter état de siège. Il fallait à revenir dans la même méthode. Mais la table ronde, place dans mon assiette, qui est ça aventure. Moi, j'appelle ça aventure pourquoi? Dans l'état de siège, dans la table ronde, il s'est dégagé. Trois panels. Panel Yaliboso, ils ont bateau bando ça la étude sur maintien à état de siège. Deuxième panel, ils ont qui a bateau au bas ça la réqualification de l'état de siège. Et troisième panel et enfin ils ont qui panel où ils ont ça la étude à lever à état de siège. Mais ce qui Nathalie va répondant, il y a troisième panel. Oui,
y a levé y a état de siège. Olanda qui président y a commission. Oyabanda qui co-représenter société civile. Pour y a zaki na délégation dans son carquois. Et zala qui n'est-ce pas na ba représentant y a province à Ituri, na province à Nord Kivu. Parce que l'état de siège se déroule na ba deux provinces wana. Bangonde bazo souffrir makasi. Tolanda qui président y a commission. Abimi Libanda, alobi, ba point de vue na biso, eza prise en compte te. Na ba panel. Ba travailler sur les vêtements des sièges, ba ko yoke la bango te. Ba bi ba zo yoke, ba yoke li biso, ba yoke li biso te. Encore, au surplus, il y a quelques présidents, il y a ba panel moussousou. Ba za d'accord pour na lever ya meta, ya état des sièges. Mais qu'est-ce que nous avons constaté malheureusement? Boutiquage au sein. Boutiquage au sein de la table ronde. Vous devrez être animé, n'est-ce pas? Na bonne foi. Parce que baibazo souffrir, baibazo s'est levé à état de siège, et ça baiba vivre à Kanani, na est. Mais est-ce que banani au baza, babanai ko soutenir que nini, état de siège maintient état de siège? Nous avons vu l'invitation officiel, il y a un gouverneur dans la province de Moussous. Au bazar, rien à voir dans le cas de l'état de siège. Olanda qui gouverneur de Kasai, Azala Kikuna. Olanda qui gouverneur de la province de Moussous, il y a un qui est dans le panel. Parce que la résolution, il fallait que nous na droit de vote. Après nos informations au signe de Olivier, c'est que malheureux, il paraît. Il y a un groupe de gens au bazo soutenir maintien il y a état de siège parce que état de siège est un boutiquage état de siège est un fonds de commerce pour la batumisus tel que ma réalité peuple congolais Kolanda biso monamboka c'est ainsi que je suis en train ma vérité au kobimi ça peuple congolais à Kolanda donc ceux qui n'ont pas comprendre et ils n'avaient pas quatre états des quatre tables des tables rondes basali corrompu alors ils qui na lobby que ils qui ils n'ont pas basali corrompu basali corrompu parce que nga na moni bangote mais na baye au basali qui kuna oui puis nous sommes des acteurs politiques nous recevons na ba par nyoso na ma eleka na quatre. C'est ce que j'ai dit. D'après nos informations, il y a bato bazala qui kuna, ba mususu ba uti kolobake, bato oyo babanda ko travailler na panel ya maintien ya état de siège. Il paraît mbongo etambola ki kuna makasi pour que nini état de siège ait continué. Tu sais que dans cette histoire, mbongo etamboli na panel ya bato maintien. Ndenge toyoki. Na lobi ndenge toyoki. Qui est bon et tambola qui pour nous maintenir parce que banani basa va bénéficier bango moko kana kati ba panel wana nde bayibi pourquoi bazo soutenir maintien ya état de siège. C'est là que je viens de dire ici il y a que le gouvernement nde mutoza na responsabilité na ba résolution outil na nini na table ronde. Il y a que le gouvernement, il y a que le président de la République, il y a que le président de la République. Yende Moutoufou Azouasikoyo, bon sens, il doit utiliser la sagesse, n'est-ce pas, pour trouver solution dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est là que aussi que j'ai dit dans mon introduction, j'ai dit ceci. Pour inviter Ferré à Kendeko Beta dans le 9e jeu de la francophonie, le gouvernement a yoke la ki population. De la même manière, il y a la ki population. Bon, on a bien fait. Bon, que la population est à l'est, où ils ont été levés à l'état de siège. C'est la population qui demande ça. Ils demandent ça pourquoi? Ils demandent ça pour beaucoup de choses. Mon frère ami, lorsque nous évaluons, il faut évaluer l'état de siège. Toujours évaluer l'état de siège. Lorsque nous faisons maintenant l'évaluation, c'est pendant l'état de siège que nous avons perdu Bounagana. C'est pendant l'état de siège que nous avons perdu Massis. C'est pendant l'état de siège que nous avons perdu Routour. C'est pendant l'état de siège que ces contrées-là, ils ont enrôlé. Moi, je suis en train de me dire que nous sommes en donc, l'état de siège, ils ont un mécanisme où ils ont ici encore plus d'insécurité dans la partie est. Oui, effectivement, parce qu'on a fait les études comparatives. On dit que pendant l'état de siège et avant l'état de siège, les tueries dans l'Est étaient évaluées à 2000 et quelques personnes
tués dans l'Est République démocratique du Congo. Mais pendant l'état de siège, la tuerie est variée jusqu'à aller à 6659 et quelques. C'est pendant les sièges qu'il y a une croissance de tueries dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un élément. Vous savez aussi qu'un élément très important, je pense que j'avais énuméré l'autre fois dans l'émission, c'est celui des militaires déployés dans les territoires, dans les provinces décrétées par l'état de siège. Vous savez que c'est pendant l'état de siège. 45 000 hommes. C'est pendant l'état de siège que l'État congolais, le gouvernement congolais, par les billets, il y a FRDC, et déploya qui 21 000 militaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est pendant l'état de siège que nous avons fait appel à l'EAC. C'est pendant l'état de siège que nous avons la présence de l'Angola avec 5 000 hommes. C'est pendant l'état de siège que la MONUSCO a 14 000 militaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est pendant l'état de siège que la SADC a ses décidés qui à Songabiso, on a 5 000 hommes. C'est pendant l'état de siège, nous avons constaté que les Ouazalendo, plus de 200 hommes qui se sont portés garants pour combattre les M23, Bazana Katéanine, Bazana Est, na Est en Boka. Lorsque je fais la sommation, nous avons au moins plus de 45 000 hommes. Dans l'Est de la République démocratique de Congo, les 45 000 hommes là, ceux qui sont mal gérés, comme insécurité pour la population. C'est là que la population demande la levée de l'état de siège. Il y a un moment qui panel au Yasuka, où il y a un moment qui est levé l'état de siège, n'est-ce pas? Tout le monde dit ça, les deux provinces, dans l'état initial, le gouverneur civil, tout le monde ici, Bango. Vous comprenez? Tout à fait. Tout le monde responsabilité, responsabilité effective dans l'armée, dans l'Abisso. Car de la même manière, Babandaka a co-géré. Parce qu'ils étaient en train de co-gérer entre le gouverneur civil et le gouverneur militaire. Nous avons une zone opérationnelle, n'est-ce pas? Nous avons une zone opérationnelle Nord-Kivu, Sud-Kivu, coordonnée par les militaires, Makambo Bando Tambola Nango et Bando Tambola Nango Malam. C'est comme ça que moi je suis en train mais de. Est-ce que vous reconnaître que mais pendant l'état de siège, l'économie à Rwanda est en difficulté? Est-ce que vous reconnaître que pendant l'état de siège, pendant l'état de siège, et qu'on révèle un dossier caché, Rwanda est en bénéficier d'un minerai illicitement? C'est pendant l'état de siège, que quand même, il y a eu de vérité Oyo et Bimi quant à la situation et à l'Est démocratique du Congo, mon amoka. Oui, j'emprunte, je suis dans cette logique, mais je m'inscris d'une part en faux. Pourquoi? Effectivement, c'est pendant l'état de siège Tokangi Mwanga Tchoutchou. Mais Tokangi Mwanga Tchoutchou, pour quelle fin? Bisounion Soba Kongomani, notre souhait, c'est de voir, n'est-ce pas, vérité sur l'arrestation de Mwanga Tchoutchou. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a un procès, il y a un mango, il y a un lobby, ensuite de suite. Il y a un flou dedans. Vous comprenez? Alors, ne dis pas au peuple congolais que c'est pendant des sièges, et c'est pendant l'état des sièges, Netoyebi qui Rwanda a agressé Kabila. Le président Kabila l'a déclaré du haut de la tribune, il y a Nations Unies, que nous sommes agressés par les Rwandais. Les vidéos sont là. C'est dit-on de Mouzé Laurent Désiré Kabila, que Mouzé Aïb Saba Kongomani, que nous sommes agressés par le Rwanda. Mais au fait de dire, on a un habitant nomiqué, on a un régime qui est pendant l'état de siège, on dit que le Rwanda est un agresseur Kabila. C'est-à-dire que Bandos a un monde d'autre. Mais qu'est-ce que le président honoraire en avait fait quand il a déclaré? Parce qu'aujourd'hui, on voit la diplomatie adjacente à Mokonza Mboka, Félix Antoine Tshisekedi. On a ramené paix dans la partie Est-RDC. Où il y a une liaison entre Joseph Kabila et Paul Kagame. Qu'est-ce que Joseph Kabila a fait pendant 18 ans? Non, pas pendant 18 ans. Pour la sécurité dans l'Est. Pour la sécurité de l'Est. Je m'inscris dans cette logique. Mon frère Ami,
oza mopanzi sango bandaka koluka ba video nyonso ba sorti médiatique nyonso au président c'est Félix asala na Nations Unies asala na nini na sommet ya OIF elekaka nani asala na ba balé diplomatique nyonso o ya leka oza mopanzi sango oko constater que lui même le président de la république le commandant suprême des forces armées na place nyonso le kaka il dit un seul mot. Les M23, bah ça là qui défait depuis 2020, depuis 2013. Soit tu évalues 2013 et ça nous a fait 8 ans que les M23 n'existaient plus en action. 8 ans. Et ça, quinquennat Mobimba régime. 8 ans. C'est plus que y a quinquennat Mobimba régime. Les M23, et ben quoi GLT. Mais nous nous posons des questions. La réactivation du M23. C'est là qu'il y a un problème. Si nous revenons maintenant na na Bassi. Mais est-ce que mécontentement parce que vous bino bato ya FC ya FCC na régime Kabili beaucoup signé qui va accord na bato ya M23 ba rebelle wana nyos parce que tout monde là bo vanda na bango vous avez eu de pour parler avec les rebelles ya M23. Oyo lelo mon amoka Félix Antoine Tshisekedi ne refuse et il dit que le dialogue sera que avec les Congolais et non avec les rebelles. Et vous avez discuté avec les rebelles. L'accord sera fait, et sera, les négociations seront faites qu'avec avec les Congolais et non avec les rebelles. Yolanda qui briefing, il y a ministre affaires étrangères. Lui-même, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundo, là, il dit les M23, ce sont des Congolais. Yolanda qui briefing, il y a des Congolais. Il a dit non. Dans les M23, il y a des Congolais. Moi, dis-moi, si tu as une touche de brassage, vous pensez dans les M23, il y aura des M23 où le non, on a un Congolais. Vous pensez? Mais tout le monde va se déclarer des Congolais. Mais ce n'est pas une déclaration officielle d'un gouvernement de dire que dans les M23, il y a des Congolais. Olanda quand on a la télévision à briefing, oh Christophe Lutundo l'a déclaré plusieurs fois pour la question de l'Est. Lorsque vous parlez des accords, cher Olivier, dis-moi accord au gouvernement Ndeko Kabila a signé. Et ça la télévision, et ça accord, oh Nini, et Nani, Prof Kalele, Aïbisa Kabiso, Obasanjo, Aleka, Botou na sougi vidéo en gros, une vidéo Obasanjo à tourner à Ninezali. C'est du n'importe quoi. Comme c'est Eza régime, Mogo Eza la canaba spéculation. Ils ont avalé quelque chose sans pour autant analyser. Et tu as un peu de communicateur, Nyonso, Obasanjo, Atuna Karemo Chibanda. Mais tu as Atuna Karemo Chibanda. C'était où? Oh non, Atuna Kaye, Prof Kade la Ipsa Kabiso. Prof Kade la Ipsa Kabiso. Parce que Remo Chibanda a trahi aussi le pays. Hein. Il a trahi le pays. Ouais. Moi, je ne peux pas accepter là au place nga nazali ou ipsanga que non Remo Tshibanda a trahi. Na bakora ki ndai ko signé. Il a trahi le pays. Na bakora ki ndai ko signé. Na bakora ki ndai ko signé parce que ouyebi que ezali ezalaki parce que jusque là c'est encore et koti na moi tokoloba ndenge ni et dossier bini mo. Lelo on sait que Remo Tshibanda a trahi. Bango ne bazo ko ka correspondre te ba prochaka. Bahoprochaka voleur criminel na tableté. Tout le baka esa erreur amunene au gouvernement esala qui. Comment vous pouvez signer des accords commerciaux avec un ennemi identifié? C'est depuis 98 toyebi que Rwanda ne muto agresse Kabiso. Yozui ennemi ou approché na table, a goûté miel, a joui nyon soa koukaki kozoa, d'une manière officielle. N'abakor comme ça qui est ennemi. Yolandaki, président de la République, à l'Obaka. Président Nani. Yolandaki, Zélaté, au sein de mon parti sans côté. Parce que tout gouvernement, Zélaté, président Nani, président Bazali. Président Macron, Azalaki Awate, Yolandaka, point de presse, il y a président Macron. Président Yabiso, il y a la République démocratique du Congo, que nous avons signé des accords commerciaux, n'est-ce pas? Na EAC, na ba parti membre à EAC. Lui-même, le président, il dit que non, ba intérêt au Bakorwana, et ça là qui beaucoup plus pour l'intérêt à l'exploitation et à l'océan Indien. Bouta la biso place océan Indien et Zali. Bouta la place Congo et Zali. Mais ce côté, ba intérêt à l'océan Indien, na ba océan Atlantique, Ndeko Nangaye.
ata osa la géographie te ne konanga il faut revoir konanga géographie Olanda ka ministre ya finance Nicolas Kazadi na émission ya Jean-Marie Kasamba il a même dit ah non nous avons signé des accords avec Doubt Limited entreprise au Yabarwani Olanda ka télévision te on pas descendre faut Olanda et lui-même le gouverneur le quoi le ministre un officiel de l'État il dit à la télé ah bon, Tika Makamwana, Kagame et le président, ce sont des frères. Bah, ils vont finir par s'entendre. Le ministre de Finance, Olanda Kaye, non, Nicolas Kazadi. Na télé 50. Nicolas Kazadi, lui qui est Kagame, nanana. Ce sont des frères. Yolanda Kamote. Ah oui, ce sont des frères. Et à cela s'ajoute Marcel Bilomba. Il dit non. Le conflit entre Kagame et ce sont des frères. Ils vont finir par s'entendre. Ce sont des frères. Mais on a analysé, lorsque l'officiel à l'État a confirmé que Kagame et le président Tshisekedi, ce sont des frères. Moi, je suis africain. Et ce sont des frères dans quel sens? Il faut expliquer d'abord le sens qui est frère. Ici, ce qu'il y a, il est qu'il y a. Frère, dans le sens nini. Dans le sens nini, il est qu'il y a. Peut-être que le frère est frère. Il y a un frère. Ce qui est l'autre, il y a un frère qui est un frère. L'état de siège, Rwanda est perdre économiquement sur l'état de siège. Tout ça comme ça, tout ça comme Pakola, Mafuta, Bissoba, Congolais. Vous savez que récemment, les Rwanda viennent de publier, viennent de présenter devant la presse nationale et la presse rwandaise, n'est-ce pas, les effets. Il y a fonds souverains, il y a Rwanda. Nous sommes en économie. Lorsqu'on parle de fonds souverains d'un État, c'est-à-dire balance commerciale na bango, ils ont au bon fixe, balance des paiements na bango, ils ont au bon fixe, balance des paiements, ils ont lié na exploitation ya ba minéraux bango basala ba minéraux wapi. Parce que biso ba Congo mali topé ça qui bango exploitation ya minéraux d'une manière officielle. Les Rwanda émitié na posture na bakoro ba signa kité. Accord ni ici na magi. Ministre ya finance, je vous ai dit ici le ministre des finances. Il a semblé minimiser cet accord à la télé. Il dit non, cet accord entre Doubt Limited pour Sakima, oh non, on avait signé et tout. Il avait confirmé, non, ce n'est pas moi. Et où tu n'es pas dans la tête? Et où tu n'es pas ministre, non? Fidéo et Zalit. C'est-à-dire, bah, signé accord, il est reconnaît. Les membres du gouvernement congolais qui bisont au signe un accord commercial officiel avec le Rwanda. Les retombées à Rwanda, bah présenter qui bah infrastructure louable na Rwanda. Bah lobby, c'est le fruit y a fonds souverains. Donc, tu me poses bisous sur ma question, bisous, bah congolais. Où sont les fruits y a fonds souverains? Parce que nous avons l'or, nous avons les diamants, nous avons les cobalt. Va présenter le fruit à fonds souverain. Parce que les lots, les lots, il faudrait que les Congolais, balongo les lots qu'on a mutu pour dire que l'état de siège Rwanda a perdu. Le Rwanda a aussi présenté ba infrastructure naie na oyo et décollé na ba fonds souverains. Les fonds souverains pour le Rwanda et aussi na mission na Congo. Personne n'est pour l'exploitation ou bien la présence des Rwanda. Le Rwanda est l'ennemi permanent. On ne pouvait pas approcher les Rwanda na table sur trois propositions. Nous tous en table, tous en table ronde parce que nous avons aussi dossier à table ronde. Sur trois propositions, maintien, requalification na levé position no ezalini. Maintien, requalification n'a levé, moi je m'inscris dans la logique, il y a levé, il y a état de siège. Mais à cela, n'a zoba qui sa recommandation. Je ne pense pas, n'a aussi la recommandation du gouvernement. Il ne faut jamais tenir compte de la résolution au et outil de la table ronde. Pourquoi Eza Mabé? Parce que la table ronde, Eza table ronde, initier les politiques. Vous comprenez? Or, les effets, il y a état de siège est coordonné par les militaires. On a Machuaki ba politique, les bandas,
ba côté ici ba militaire ne ba yebi ba tena et aboutissant il y a état de siège. La table est ronde, mais nous avons vu juste les militaires figurants qui n'ont rien proposé, rien dire nini. Parce que on a quand même figurants. Na ba thématique, na ba télé, na ba panel, na table ronde, ba figurants. Na ba panel, tout monde est à général mon côté. D'abord, si on a besoin de forme, il y a ba oba qui représente. Il y a mon action d'état-major, parce que c'est lui le patron de l'armée. Et ce qui est ministre des Finances et ministre de la Défense, c'est lui le patron. Nous sommes dans une logique qui a proposé ma solution. Je suis en train de recommander au gouvernement ce qui est réellement. Le gouvernement a un souci, il a qu'à mettre terme à l'état de siège. Un, ce qui est le cas, la voix, il y a table ronde. Il faudrait quand même les participants à la table ronde. Et ça l'a élargi. Bonsoir les politiques. Dans les politiques, nous avons les parlementaires. Dans les politiques, nous avons l'opposition et nous avons le pouvoir. Dans les... Je ferme cette parenthèse. Nous y associons bah, techniciens à la matière. Bah, techniciens à la matière, oh, bah, piloter état de siège, ce sont des militaires. Militaire, les ministres de la Défense, chef d'état-major général, les coordonnateurs, il y a ma zone opérationnelle, bozu ba gouverneur militaire, les vice-gouverneurs, les maires des villes, les administrateurs des territoires, parce que c'est un des militaires. Vous comprenez? Et troisième élément, on ajoute les partenaires au Baya qui vont agir dans l'état de siège. Dans les partenaires au Baya dans l'état de siège, nous avons. L'EAC, nous avons la SADC, nous avons l'Angola, nous avons la MONUSCO. Parce que Bango Baya qui pour un état de siège. Les isoler, n'est-ce pas, c'est de ne pas faire un très bon travail ou un travail approfondi sur la levée de l'état de siège. Et quatrième élément pour citer, c'est la société civile. Vous comprenez? La société civile dans son ensemble. Parce que... Et, vont aussi représenter la population. Mais ce qu'on a dit, à mon sens, formant, il y a table ronde, oh, on a invité que les politiques. J'ai vu les députés provinciaux, n'est-ce pas, bah, représenter la société civile, les gouverneurs, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez réellement que quelque chose de bon allait se produire une question capitale. Nous avons perdu en temps et en finance parce que ça a été budgétisé. Table ronde, nous allons perdre à temps. Oui, ça perd à temps. Une question capitale. Les lois allaient pour enlever l'état des sièges. Mais aussi longtemps, nous savons que dans l'Est de la République démocratique du Congo, ils ont une force qui en appui au bas un délai bien déterminé. Les lois les états des sièges et salami, la force ou un abortikala. Est-ce que cause à l'ambiguïté de la partie est de la République démocratique? Voilà, je vois là, n'a commis place ou j'ajoute un élément. Je suis en train d'interpeller. Ça, c'est la voix de l'opposition. Il faut beaucoup qu'avoir opposition. C'est l'opposition qui avait dénoncé à cette époque. Qui est état de siège et ça qui décision mal à monter. Écoutez maintenant la voix de l'opposition. Nous disons ceci. Nous ne pouvons pas aligner la table ronde. Les dossiers, il y a levé à table ronde, et levé à état de siège, mais tout tiki est assez. Tout sali moussa la thé. On a prélude. Il y a déclaration à état de siège lorsque EAC est kotaki. Vous avez vu des massacres qui se sont produits dans l'église qu'on avait pointé du doigt, n'est-ce pas? L'armée tanzanienne, au Baya qui est dans la mission à EAC. Nous savons que dans l'EAC, la puissance qui agit fortement dans l'EAC, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Ceux qui ont négocié départ, et où ni levé à état de siège, tout tiki est assez. Toujours ça, les loups, côté. Lorsque Ndekonanga a joué qui décision, il y a corrigé ma erreur, mon coup, les cas qui, la publication, il y a la loi sur la répartition des sièges. N'est-ce pas? Dans le côté du gouvernement, il y a considéré qui, Nanga,
opposant à quoi émettre un point de vue n'a été parce qu'à constater qu'il y a une irrégularité et belé naba naba na maye oyo ndeko nanga banda ko évoquer c'était quoi il a fait dit calcul arithmétique ou ba utiliser pour na ko bimisa ba répartition des sièges ezamabe après ça qui ba fait nango n'est-ce pas comme mathématicien comme politique a émetta qui ba epo ba vinaye et ba vinaye ezala qui fondé du point de vue les propositions de Nanga qu'est-ce qu'il dit et nous le constatons tous que Rutshuru Masisi Bunagana Kwamuntu toi enrôlé t'es mais bo attribuer ba siège place bino bo enrôlé t'es arithmétiquement bo sali yango ninge ni il est allé au-delà de ça il dit botala les enrôlés à ma province Moussous. C'est là qu'il y a des gens dans la ville à Kinshasa, à Banine. Comment vous enrôlez le nombre d'enrôlés? Naba nombre de sièges attribués. Ezo Kokanate. Il a cité un bon nombre de provinces. Quelle arithmétique vous utilisez qui pour attribuer ma siège selon les enrôlés et le nombre de sièges au Ebimaki? De konanga lubike calcul wana ezaki mabe pour les régimes bamona kiamo mabe ende konanga aza expert en question électorale yango etindie lelo yango etindie lelo ya bimisa ba soki alobi makambo ko bimisa lelo oui soki alobi ke l'armée est infiltrée et je pense que ende konanga azo détenir ba élément où ils ont prouvé que armée est infiltrée. Il faut faire très attention sur la question. Vous savez que l'armée, bah, tu peux changer bango teni. Il y a des rapports qui prouvent que teni ou bah pèse armée n'a bisou bah mona qui a monté na bato M23. Oh oui, mon amour. Non, ils ont des rapports, ils ont des rapports, non? Tenu ya sika oyo ya sika ba mona ke ba M23 bazana ngo eza ba rapport en tant que congolais il a réfléchi non tout comme moi aussi je suis en train de réfléchir ici oh n'est-ce pas il a réfléchi selon point aza congolais aza acteur politique il a réfléchi de la même manière que je suis en train de réfléchir ici n'est-ce pas. Mais c'est une réalité sur ça. C'est ainsi que je suis en train de dire que lorsque ce dernier a se retrouvé dans le cas il y a insécurité, il a jugé bon, il y a aucun de vivre dans l'exil. Hein? Voilà, c'est une réalité. Bon, nous les souhaitons, bonne santé, place à Zali, peut-être. N'a habité sur Zali, n'a pays ni ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais sauf que je vis, ma communiqué n'a à l'oubli. À se déclarer exilé. Donc ça, c'est déclaré exilé. Yemoko a sepeli komi longola na Congo pour akendo fanda place ya fandi. Parce qu'on a constaté que na Congo insécurité à Makasi. Na banza été population congolaise mobimba azali ozangé. Et ba vérité. Na ba situation ekoleka na kati ya République démocratique du Congo awa. Parce que scène politique ya mboka na biso peuple congolais kaka né à Koki, oui, la situation est que les gens sont dans le peuple congolais. La population, le peuple congolais, est vigilant quand il y a une situation où les gens sont dans le monde. Parce que moindre qu'on nimba, moindre qu'on lala, va contribuer biso. Banani va contribuer biso. Tu crois que mon ami Koulezali Koya, mon ami Koya, Jano Manyanga, Matondo Mingandenge, on dit mis encore invitation à biso na Congolais télévision, honoré biso na Mokolo Alelo, la barre ça a été Matondo Mingi. C'est moi qui vous remercie. Au moins, Elo na sepela kana chaîne na bino, hein, de voir les jeunes dynamiques, journalistes comme vous, les caméramans, les techniciens, travailler et faire un travail propre, clean. En tout cas, ce n'est pas donné à beaucoup de jeunes. Un grand merci. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que dans l'avenir, vous allez encore faire mieux que Oyo Bozo Sala. Merci beaucoup pour citer.
je suis en train de saluer encore nos téléspectateurs. Au bas, au bas, au moins que ceux qui m'ont joué tant à fin de la télévision pour ayo kayo. Il faut donner beaucoup de respect à ces gens. Nous, nous sommes que des acteurs politiques. Nous sommes en train de servir la population. Si nous arrivons à intérioriser ça comme acteurs politiques, les politiciens sont là pour servir la population et non pour marcher, sur la population. Ce n'est pas nous. C'est là que nous nous inscrivons dans la logique de notre famille politique. Je suis en train de saluer les autorités de notre plateforme politique, FCC en cycle. Je vois, comme je l'ai dit à mon prélude, l'autorité morale. Bonne santé et longévité à vous, là où vous êtes. Nous avons été confiance, parce que confiance au bino puiser information à la source. Et chaque fois quand thématique est allée, chaque fois quand situation est allée dans la République démocratique du Congo, tu vas causer moto oyo, il y a malam on a place, il y a malam pour que tout travailler ma thématique peut ma situation oyo. Et puis toi informer bino, besoin information vraie et sincère dans quatre yambo kanabino, ils allent mon salon tout ça là parce que confiance au bino pour payer sa yango tout causer que c'est la cabine yango à travers notre savoir faire et vous permettre d'être bien informé. Maton Domingue Nabino, tu écoutes la Mikoule Zali Koya.